Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi tout le monde, bienvenue sur Guru.tv. Oui, je suis désolé. On a eu une coupure d'Internet dans le building parce qu'il remplaçait une pièce d'équipement. Bon, merci pour nous avoir averti. J'étais pas au courant. Fait que je me courais de partout pour savoir pourquoi j'avais pas d'Internet. Puis là, ben, t'appelles la compagnie. Puis là, ben, finalement, tu finis par trouver. Ça fait que j'ai tout reparti à zéro. Fait qu'il y a pas grand chose qui a changé, par exemple, c'était à 2 heures là, que ça va probablement changer parce que tout repose sur Jérôme Powell ce matin. Tout est pareil. Regardez, c'est pas compliqué là. Nasdaq est en hausse, c'est Apple, Amazon, Netflix, Tesla, Intel, Nvidia, puis Advanced Micro Devices qui avait sorti ses résultats financiers, puis c'est lui qui monte le moins. Il monte pareil, là, mais il monte moins que les autres. Ça fait que, donc, les marchés sont comme ça depuis ce matin. Là. Les grosses caps. Parce que des bonnes nouvelles, là, ils n'avaient pas bien. J'étais trop occupé et trop perturbé. Hop, c'est quoi l'affaire de Waza? Bon, il y a Waza aussi qui a eu un problème. Bon, en même temps, ça fait deux problèmes en même temps. Et puis, juste voir s'il n'y a pas une dernière nouvelle qui vient d'arriver, là. Écoute, c'est quand même des hausses spectaculaires de Nasdaq 2,5%, le SPY 1,6%, puis le Dow 0,62%. C'est quoi que j'ai dit là? Bon, c'est ça qu'il dit. Les stocks rallient before la décision de la Fed. Puis Nvidia, c'est 10% to lead comeback. Et tabarnouche, c'est un peu, là. Un mané.
On va aller voir ça. Nvidia. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça paraît bien gros, là. OK? Attendez un petit peu, là. C'est quand même la même affaire que ce matin. Attends, on y arrive. On finit par y arriver. Ah! Bon. Fait que c'est ça l'affaire. Bon. Mais, regardez bien. Vous êtes... Comment ça, il n'y a pas de son? Ben oui, il y a du son. J'ai des batteries, j'ai un micro, j'ai du son. J'ai du son, Marie, c'est vous qui n'avez pas de son. Ça fait que le résultat de la journée aujourd'hui, c'est la même chose partout. Bon, peu importe ce que ça avait fait hier, on rebondit sur le haut de la formation neuve. Vous voyez, regardez NVIDIA, là. Bon, il y a eu une couple de soubresauts, là, mais... Le son, OK, merci, Claude. Et puis, donc, regarde, on enlève ça. Ça, c'était la chute d'hier. Mais à peu près, vous allez voir, la grande majorité des graphiques qu'on va regarder, là, c'est ça qu'on va voir, là. Un rebond dans la formation neutre. Bon, Regarde, vous voyez, on a... Bon, Tiens, je vais les enlever, je vais les recommencer. On a passé une petite bite, là, par-dessus, là. Mais c'est l'inverse de la journée d'hier. Sur Nasdaq, le Dow un petit peu plus haut, le SPY un petit peu plus haut. Puis le, voyons, puis le TSX un peu plus haut aussi. OK, qu'est-ce qui fait ça? OK, c'est dur à comprendre, parce que si je continue un petit peu dans les nouvelles, Boeing, OK? Regardez, même Boeing aussi est en hausse. Pourtant, Boeing, il a annoncé les plus grosses pertes que prévues, puis des revenus plus bas que prévus. Bon, mais le titre est en hausse pareil. Puis là, tout le monde dit que c'est la décision de la Fed. Il y a Trump qui dit que Kamala Harris a perdu des points. Il y a Microsoft MSFT qui a eu des résultats décevants sur les résultats des clouds. Bon, ben lui, il continue à la baisse, Microsoft. Puis tout le monde dit que, d'ailleurs, Jerome Powell en a parlé hier, puis en a parlé encore le matin. Puis là, on va voir les minutes à 2 heures, mais on sait déjà ce qu'ils vont dire. Il va dire que non, on va avoir une baisse des taux en septembre, si tout va bien, puis que dans le moment, il va tenir les taux là. Bon, puis il y a la Banque du Japon, elle, qui a augmenté ses taux. Il y a Meta qui a payé 1,4% 1,4 milliard à l'État du Texas pour je ne sais pas qui, pour je ne sais pas quoi. Fait que il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles. Donc, tout est sur la Fed où on s'attend à rien. C'est une bonne mauvaise raison de faire monter les marchés. Fait que là, on est sur un top, c'est clair, là, jusqu'à 2 heures, là, fait que dans l'émission, il se passe rien, là. Écoute, bien, on va-tu faire encore un nouveau haut sur ça? C'est 2,7 %. Donc,
Donc, 2,75% sur Nasdaq, 1,5% sur le Dow, 1,5% à peu près pour le SPY, puis 1% sur le TSX. Mais tout ça, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. À moins qu'il y a quelque chose que je sais pas. Quelque chose d'important ou que personne ne dit rien. Je sais pas. On verra bien. On verra bien qu'est-ce qui arrivera plus tard. Ça fait que... C'est bien, bien bizarre. tout le kudos est en hausse, mais c'est pas le cas partout. OK? Du côté des ressources, bon, là, c'est un peu bizarre aussi. Il y a le pétrole qui a jumpé aussi, que j'ai pas de raison à expliquer pour ça. Le gaz qui est retourné sur son bas ever. C'est l'argent, l'or, les aurifères, les mines qui sont en hausse à cause que le dollar américain est en baisse, je suppose. Ça fait que, regarde, on va commencer par faire une tournée des secteurs. On va voir. On a vu c'est quoi déjà le Q12, là, que tout le monde est en hausse. Là. Bon, ça fait que si on regarde, le pétrole avait chuté une couple de jours. Mais si vous observez attentivement, vous allez voir que la hausse du pétrole aujourd'hui est juste revenue à l'intérieur de sa formation neutre dans un rebond inexplicable. Le gaz, lui, il est en baisse, puis les pétrolières, eux autres, sont en baisse. Ça fait que c'est les grosses pétrolières, d'ailleurs, surtout, qui ont bougé. Dans l'uranium, c'est pas tant Cameco que ça, là. Regarde, Cameco, il fait pas grand-chose. Canada et États-Unis, il fait pas grand-chose. Les autres sites d'uranium non plus font pas grand-chose. J'ai de la misère à expliquer pourquoi le ETF, lui, il est en hausse. Bon. Puis, dans les matériaux, on a une correction de Stella Jones en direction de son support. Puis, Nutrient, c'est une petite hausse de rien. Puis, si on monte, on descend dans la liste, j'ai Methanex. J'ai Labrador Iron Ore. OK, c'est un matériau, ben c'est une mine. Mais j'explique pas la hausse. Du côté de l'or, le dollar américain est en baisse, puis l'or est en hausse. Donc, elle aussi, la même chose un peu que le pétrole, on avait décroché. Puis on est revenu dans la formation neutre. Donc, il n'y a pas de simplicité dans cette affaire-là. Puis du côté de l'argent, où on avait traversé le support, on a passé 3-4 jours-là, puis à peine revient-on dans notre formation neutre. Alors, je te dis, là, il y a de quoi se gratter les poux, là. Que je vois pas d'autre chose que... Puis, mais le pire, c'est que la Fed a dit qu'est-ce qu'il était pour dire. Fait que, donc, pourquoi, là? Pourquoi? Regardez les mines. Aussi, on remonte sur le haut de la formation neutre. La consommation discrétionnaire, on remonte sur le haut de la formation neutre. La consommation de base, on reste dans la formation neutre. On est en hausse un peu, mais on reste dans la formation neutre. Les télécoms, on a une petite continuité ici, mais pour la journée, ça a l'air d'être fini, là, d'après ce que je vois dans le graphique intra-séance. C'est déjà bien bon, parce que les regarde, on est rendu pas mal au... C'est cette grosse période-là là, qu'ils ont eu de la misère, mais il y a eu quand même un bon rebond au cours des derniers jours. Mais c'est pas si fort que ça pour Rogers. BCE, oui, il approche sa résistance.
Il a gagné en tout et partout, en fait 8 % à peu près depuis son creux. Puis TELUS arrive là. Donc, on arrive à la fin, on va voir. Peut-être qu'on aura un inversement de la tendance baissière, peut-être la semaine prochaine. Les services financiers, un petit peu en hausse. On voit le bouquet de banque qui est complètement à côté à sa résistance, mais c'est surtout intact, là. Parce que la Banque de Montréal, elle a de l'air arrachée, elle rebondit un petit peu aujourd'hui. Mais c'est surtout aujourd'hui, c'est intact. Oups! Puis regarde, il s'est même presque tout dégonflé. Donc, c'était fort probablement un résultat financier, mais il n'a pas fait une longue durée. Du côté des industriels, c'est bien tranquille. Du côté des techs, on revient sur le top de la formation neutre. Les immobilières, on est en correction. Les services aux collectivités, on a une autre petite continuité sur un faible volume. C'est partout pareil, là. Il y a complètement neutre pour les infectieuses. Les auto-électriques, c'est la même affaire. On rebondit sur le haut de la formation neutre. Pour les batteries, on rebondit sur le haut de la formation neutre. Je vais mettre un peu moins de données, là. OK? Donc, OK, bien, on sauve l'important support qu'il y avait là. Puis les aériennes, on est toujours dans une formation neutre. Les recreational, il y avait jumpé ce matin, sont revenus dans la formation neutre. Le pote, il est sur le haut de sa formation neutre parce que Miss Cannabis a des chances de rentrer. Les blockchains, c'est le haut de la formation neutre. Les énergies renouvelables, on monte sur le haut de la formation neutre. On n'a pas de nouveau cycle. Du côté du lithium, on rebondit sur le haut de la formation neutre. Les biotech, on est un petit peu plus haut. Puis dans les semi-conducteurs, bien, on remonte sur le haut de la formation neutre. Donc, C'est comme si on disait, ben oubliez ça, là, la hausse, la baisse d'hier, c'était rien, là, puis on s'en revient où est-ce qu'on était. Roger a un bon commentaire ici, je pense qu'il est bon commentaire, on va prendre le temps de le lire après la pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, le commentaire de Roger dit « J'ai lu ce matin, les 6 grandes banques canadiennes ajoutent des milliards de dollars à leur fonds d'urgence à l'approche du renouvellement des prêts hypothécaires pour plus de 3/4 des propriétaires. » Andrew Chang explique pourquoi les banques se préparent à davantage de défauts de paiement et qui est de plus en plus à risque. OK, mais d'abord, pourquoi que les services financiers sont en hausse là-dessus? C'est pas évident. Du côté américain, c'est pareil. On a le même mouvement au Canada et aux États-Unis. On est suracheté, là, mais
Tu sors des milliards pour te protéger contre des nouveaux prêts parce qu'il y aurait plein de monde en défaut. Ça ressemble à 2008, cela, là. Mais non, mais les taux d'intérêt sont élevés. Le monde, depuis quelques années, là, depuis une couple d'années, les maisons n'ont jamais été aussi chères. Ils ont aussi cher à des si hauts taux d'intérêt. OK? Tu sais, la dernière fois que les taux d'intérêt étaient montés à 20 % là, acheter une maison, ça coûtait à peu près 25 000, 30 000, là, 40 000. Mais aujourd'hui, les maisons sont 500 000. Fait que, puis les taux d'intérêt sont élevés. Ça fait que c'est normal qu'il y ait du monde qui va avoir de la misère à rencontrer les taux d'intérêt parce qu'ils ont acheté leur maison trop cher. En tout cas, ouais. C'est encore une fois, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est une mauvaise bonne nouvelle, là. Fait que, regarde, on a fait le tour des secteurs, on n'a pas trouvé un secteur aussi, excepté l'alimentation continue encore un petit peu à la hausse, et les immobilières, il était je ne sais même plus qui, là, parce qu'il n'y a rien de flagrant là-dedans. Il n'y a rien de flagrant. La seule chose qui se passe, c'est toutes les grosses caps qui sont en hausse, excepté Microsoft qui est en baisse à cause de ses clouds, puis Gilead, mais les autres sont tous en hausse. Bien, il n'y a pas de raison attribuable à chacune des compagnies. La raison est attribuable au marché. C'est que pourquoi la communauté professionnelle, financière, institutionnelle a boosté ça comme ça? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Si vous le savez, dites-moi les, parce que ça rend un petit peu difficile. OK, donnez-moi une petite seconde, là. Bougez pas. Juste regarder pourquoi que ça pop. OK. Non, c'est pas arrivé. Bon, OK. D'accord. C'est parce que j'attends un paquet important, puis je veux pas qu'il l'abandonne dans le lobby. En bas. Parce que le problème d'Amazon, c'est qu'on sait jamais c'est qui va le livrer. Les livreurs d'Amazon sont des bons livreurs, mais les livreurs d'Intelcom, ça fait pic-pic. Ils garochent les paquets à la première place qu'ils sont capables. Ils n'appellent pas. Mon Dieu, ça brasse dehors. Ah, c'est parce que ma porte est ouverte. Ça va rester comme ça, je pense, là, jusqu'à 2 heures. Ça a monté parce que Powell disait qu'il disait encore qu'il y aurait une baisse en septembre. Mais là, tu sais, c'est quand même dans 2 mois, là, 1 mois et demi au moins, là, le septembre. Ça fait que, donc, voyez-vous, il n'y a pas de volatilité dans le marché du tout. Pas dans les grosses caps, pas dans le marché, puis pas dans les grosses caps, parce que, regarde, ils sont tous plafonnants. Il y a même Google qui est en train qui continue à redescendre. Moi, je pense qu'il va en avoir encore d'autres. Si j'aurais une prévision à faire dans l'après-midi, c'est que on va perdre pas mal des plumes l'oiseau boursier va reperdre des plumes. Il y a des affaires, mais c'est pas des grosses affaires. Regarde, les airlines, c'est tout petit. Le matin, c'était en baisse. Regarde, les airlines étaient en baisse ce matin. Ils ont remonté un peu. Ben oui, 30 cents sur Southwest.
à zéro pour American Airlines. Les Recreational sont à zéro. Il y a eux autres qui avaient commencé en haut ce matin, puis ils ont rechuté. Fait que c'est toutes des petites affaires. Un autre commentaire de Danny ici dit que les grands gestionnaires de fonds ont acheté pour 6,1 trillions de bons d'épargne durant les dernières années grâce au taux d'intérêt élevé. C'est un peu ce que la Banque du Japon a sorti la nuit passée. Si les taux commencent à baisser, cet argent va revenir en bourse, donc il est probable que le bull market dure encore quelques années. Je réfléchis là. C'était un bon commentaire. Je réfléchis. Les bons chuteraient, donc l'argent va revenir dans la bourse. Ça se tient, là, comme commentaire. Ça s'explique difficilement, par exemple, parce que même ça revient dans le marché, ça ne va pas monter la valeur des entreprises, ça. C'est vraiment truqué, c'est vraiment fucké. Fait qu'on va avoir juste une petite émission, là. Regarde, dans 10 minutes, on a fini, on a fait le tour, là. Il n'y a rien à faire. J'aime mieux quitter plus de bonne heure, puis revenir avant 2 heures pour voir qu'est-ce qui va se passer avec la Fed, pour voir ce que Powell va être capable de nous sortir de logique, d'intelligent, ou whatever. Parce que ça fait 2 jours qu'ils nous répètent la même affaire. On fait une dernière pause, puis on fait une autre petite tournée, mais à mon avis, il n'y aura pas grand changement. Attends un peu. On va aller voir nos day trades. J'ai oublié ça. J'ai pas eu grand-chose, mais j'en ai eu des pas pires, mais regarde, il y a PMEC, là, qui est mon cinquième, je pense, ce matin. Qui est parti de 63 cents à une pièce. Donc, il a monté d'un pourcentage très appréciable. Ça semble être pas mal terminé pour l'instant, mais j'en ai pas eu gros, là. FFIE, qui était en hausse ce matin, il y a eu quelques fluctuations, mais là, il est parti de l'autre bord. Puis la plupart des autres sont assez tranquilles. C'est tous des mouvements qui se sont faits en pré-séance. Puis il n'y a pas eu beaucoup de choses qui avaient bougé. Claude, avez-vous quelques FNB à suggérer pour le marché canadien et USA? Bien, excuse Claude, ta question est trop générale. J'en ai une liste pleine, mais ça dépend. En hausse ou en baisse, tu vois? Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quel côté que le marché va aller. Non, mais regarde, j'ai montré les indices tantôt. Bon, les indices, il y en a... Oups, là, bon. Je m'excuse, je viens de faire une mauvaise touche. J'ai flushé ma fenêtre. Je vais la rappeler. Allô, allô, mon petit Michel. Ramène-nous la fenêtre. Bon, elle est là. OK, voilà. On met ça de même. Puis on met ça de même. Bon. Oups, ce qu'on montrait tantôt. Tu regardes, on est dans une formation complètement neutre. Donc, selon la Fed, là, le problème, c'est que on va-tu retourner en cycle haussier ou on va traverser les tendances à la hausse pour aller à la baisse? Il n'y a rien qui indique qu'on s'en va vers le bear market. Quoique la banque... Je me souviens plus quelle banque. Banque of America avait dit qu'on s'en irait en bear market. FNB indiciel en hausse et baisse. Ben oui, mais il n'y a pas de réponse encore à la question. Ta première question, Claude, a dit, avez-vous des FNB à suggérer pour le marché canadien et USA? FNB indiciel en hausse, en baisse. Ça fait longtemps là, qu'on est là, peut-être, je sais pas. Là, moi, il y en a beaucoup des Claude. Il y a une liste pleine dans Market Vision.
dans la liste numéro 4. Là. Vous avez la plupart des grandes affaires, là, comme regarde, HXU, ça c'est le TSX, OK? C'est le TX60, ça c'est le haussier, puis ça c'est le baissier. Puis après ça, tu as HOU, le pétrole, puis HOD, pétrole à la hausse, pétrole à la baisse. Puis tu descends à la liste HGU pour l'or à la hausse, HGD pour l'or à la baisse. Tu as HNU pour le gaz en hausse, puis HND pour le gaz en baisse. On a tout plein de listes ici. Tu vois, regarde, UPRO, je vois pas, mais on a bien... OK, bon, UPRO, c'est le SPY à la hausse. Puis SPXU, c'est le SPY à la baisse, puis TQQQ, c'est le Nasdaq à la hausse, puis SQQQ, c'est le Nasdaq à la baisse. On a ça régulièrement, là. La liste 4 dans Market Vision, elle est complète, elle est tout le temps là. Regarde, là, t'es toutes là-dedans, là. Regarde, t'as indiciel, là, t'as TNA, qui est les small cap à la hausse, puis TZA, qui est les small cap à la baisse, pour le FNB baissier. Bon. Donc, TNA est sur le bord de percer vers le haut. Oui, je suis d'accord, on vient juste de passer dessus. Formation triangulaire ascendante, mais ça reste une formation neutre partout, pareil comme tout le reste. OK? Donc, il y a eu une bonne passe, là. 1, 2, 3, 4 jours de hausse là, sur TNA à partir du 11 juillet. Mais pour l'instant, on est vraiment sur le top d'un couloir. Mais c'est pas juste les small caps, c'est les grosses caps. Ça va-tu s'enclencher tout ça par en haut ou par en bas? On est tout partout pareil. On est dans des formations neutres. Puis en gros, on a eu plusieurs jours de correction. Puis les marchés, le Nasdaq, il était en baisse de presque 4 % là, il y a une couple de jours. Puis là, tu vois, paf, ça rebondit. Donc, c'est difficile, là. Quel est le prix d'entrée de Tilray? Dis-lui. Bon, ben ça, c'est le pot, là. C'est Miss Cannabis, là. OK? Parce que le monde pense que Miss Cannabis va gagner les élections, mais qui est en novembre. Puis Miss Cannabis, Kamala Harris, elle était favorable, là, il y a quelques mois, là, elle a fait une sortie sur le cannabis, là. C'était quasiment pour sauver les États-Unis, là. Fait que, donc, regarde, tu vas voir, c'est juste Tilray, parce que Tilray, c'est la plus américaine des stocks de potes, là. Bon, regarde, tu vois, oui, il fait rien. Puis c'est juste Tilray qui est là. Donc, en théorie, il a fait un faux signal quand il a atteint son 3$, puis c'est pas son premier faux signal, là. Il y a eu une coupe dans les derniers mois. Je pense que c'est important de regarder l'ensemble du pot, là. OK? Puis c'est surtout Tilray qui a bougé au cours des derniers jours. Donc, c'est difficile de montrer le point précis. Au Canada, aux États-Unis, bon, aux États-Unis, Tilray américain, donc, il est comme revenu, il a fait un faux décollage ici, il est revenu, donc, je dirais, ce serait comme 2,10, 2,15, là. Mais allez-y pas trop fort là-dedans, là, le cannabis, là, OK, là, allez-y pas trop fort. Il y a trop de compagnies, trop de ci, puis trop de ça, puis l'illégal est encore présent, puis il coûte cher à vendre le cannabis. Ils ont des gros magasins avec des employés, des règles, des sites, il y a même des gardiens à la porte, là. Fait que...
C'est pas comme quand ils ont sorti le cannabis au début, puis ils ont dit qu'ils étaient pour le légaliser, OK? Parce qu'elle, Kamala Harris, elle voudrait que ça devienne légal partout aux États-Unis. Mais on n'en parle pas trop de ce temps-là. Je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie quand on se présente à la présidentielle là, de se mettre à reparler du cannabis, mais le monde s'en souvient. OK? Je crois que TQQQ a plus de potentiel dans les FNB, à mon avis. Ben, TQQQ est un peu, j'y arrive là. Bon, OK. Bon, TQQQ puis QQQ, là, c'est pas mal pareil, OK? Parce que, regarde, quand on va ici, là. Regarde, tu vois, QQQ, si je m'en vais dans les 4, TQQQ, tu vois, ils sont pareils. Fait que du potentiel, mais c'est pas juste ça. C'est tous ceux que je vous ai montrés aujourd'hui qui font ça. Regarde, c'est pas compliqué. La majorité des secteurs et des FNB haussiers sont dans cette situation-là. Est-ce que ça va changer pour aller à la hausse cet après-midi à 2 heures ou revenir en bas? Je ne sais pas. Moi, je ne m'attends à rien. Je ne comprends pas du tout cette hausse du marché-là qui est basée juste sur le fait que Powell dit « Non, on va en avoir une baisse de taux en septembre. » Fait que c'est assez pour l'émission de ce midi. Désolé pour mon interruption d'Internet. Mais je vais m'arranger pour être là avant 2 heures, avant l'annonce de la Fed. Passez une bonne fin de journée. Merci d'être avec nous.